Salut les touristes, donc aujourd'hui voilà, je vous présente un petit produit que j'aime bien, que je mets souvent sur mes pare-brises de toutes mes voitures, c'est de l'anti-pluie. Donc bon, anti-pluie, ça évite pas que la pluie tombe sur le pare-brise bien sûr, mais la goutte d'eau en fait se sépare en plein de petites gouttelettes, comme vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre. Donc là je vais vous montrer l'application du produit. Sur la deux chevaux, même si la deux chevaux ne sort pas quand il pleut, mais voilà, je vais vous montrer comment ça marche parce que sur le 4x4, je l'ai déjà fait et je vais pas refaire ce traitement parce qu'il n'y en a pas encore besoin actuellement. Et donc, si vous pouvez en même temps partager et liker cette vidéo, franchement, ça aide pas mal la chaîne et je le vois. Et d'ailleurs, nous sommes plus de 760 à l'heure où je vous parle et franchement c'est extra et je vous remercie tous et toutes. Voilà, une fois que le pare-brise est bien propre, on va pouvoir appliquer le produit. Donc voilà, ils disent sur la notice que ça améliore la visibilité, la sécurité de conduite par tous les temps, et que ça crée un film hydrophobe en fait qui est invisible et chasse la pluie, neige, grêle. Ne pas utiliser sur les surfaces plastiques ou peintes, traitées ou sur revêtement. Toujours utiliser les essuie-glaces en fonction des besoins, c'est-à-dire qu'à faible vitesse vous aurez encore besoin des essuie-glaces, mais à haute vitesse. Passer une certaine vitesse, vous n'en avez plus besoin. Donc nettoyer la surface et sécher, donc ça c'est fait. Appliquer sur un chiffon et essuyer la vitre extérieure par des gestes circulaires. Laisser sécher, enlever le surplus à l'aide d'un chiffon sec ou mouillé sur la surface, puis essuyer jusqu'à la transparence totale. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir l'appliquer. Donc maintenant que c'est bien sec, hop, je mets du produit sur mon papier. Et voilà. Donc je peux vous dire que ça dure quand même un moment. Sur le 4x4, j'en ai mis début novembre, début octobre, et on est le 9 décembre, on est le 9 décembre, et j'ai pas eu besoin encore de refaire le traitement. Et donc voilà. Et donc là, vous allez voir, comme par miracle sur la vidéo, vous allez voir que bah, toutes les gouttelettes, ce que ça va devenir. Il existe aussi du liquide lave-glace spécial traitement, c'est marqué effet déperlant, je crois. C'est super efficace aussi. Puis vous avez juste à remettre du lave-glace et puis un coup d'essuie-glace et c'est reparti. Donc franchement, je trouve ça super pratique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo. Si vous connaissiez déjà ce genre de produit. Et puis voilà. Donc, la suite. Donc là vous voyez je suis à 90 et les gouttes d'eau en fait glissent sur le pare-brise. Donc ce qui évite de mettre les essuie-glaces.